Le lion a des poils, un gros ventre et une crête en fourrure autour de la tête. Il vit dans les prés et mange des zèbres, des frites et des sauces. C'est le roi de la jungle. C'est lui qui commande les autres animaux. C'est lui qui dit « Aujourd'hui il fait beau, vous pouvez sortir ». Ça se passe en Afrique. Le lion geint devant le dompteur. Si on le pince ou qu'on lui tire la queue, il commence à gueuler et il se rebiffe. Le lion n'aime pas la viande cuite. Avec ses poils, on fait de la moquette. Des moutons, il y en a des grands et des moyens. Il y a le patron qui fait arrêter les voitures pour que les moutons puissent passer dans les prés. Et le soir, il fait pareil, il les ramène dans la propriété parce qu'il aime les moutons. Il tonde les moutons pour de la laine. Après, ils enlèvent la peau et ils tapent dessus avec un bâton pour que ça devienne sec. Le mouton est petit, blanc. Il est grand comme quelqu'un assis. La maladie du mouton, c'est le méchoui. Chez les Arabes, c'est pendant le Ramadan qu'ils chassent le mouton. Et dans la nuit, ils le mangent avec du raisin sec. Les moutons, ça s'appelle des brebis. Avec des rayures blanches. Le zèbre court plus vite que la cigogne, mais moins vite que la biche. Le zèbre mange une pomme ou de l'herbe. C'est l'ennemi du lion. Il vit au zoo et ailleurs. La femme du zèbre n'a pas de nom, elle ne s'appelle pas la zébrette. Mais le zébro, ça, ça existe. Ça vole partout dans le monde pour apporter des messages, comme des messages de paix, de fraternité et d'amour. Dessus, il y a marqué « Je te retrouve à 8h avec un ami dans un restaurant plus chic ». Le pigeon mange des granulés et ils mettent des bagues pour se reconnaître entre eux. Ils habitent dans une maison à trois trous qui fait pigeonnier. Le pigeon est intelligent, il habite à Versailles parce que c'est joli. Avec les pigeons, on peut faire des petits pois. Ah hey, toi, tu t'en vas, ramène-le. L'homme descend du singe. D'abord, c'était des grands hommes qui vivaient dans les casernes. L'homme préhistorique s'est mis en singe, après en gorille, après en homme avec des peaux de bête, après en homme avec des costumes ou en tous les jours. Quand ils sont méchants, ils sont enfermés et ils mangent des cacahuètes et des bananes. Ils parlent avec les mains et sont tellement intelligents qu'ils ont quatre pieds. Il y en a qui pourraient être humains s'ils étaient bien instruits. Pour avoir des enfants, ils font comme l'homme et la femme. Ils réfléchissent, ils vont dans un endroit la nuit, sous une pierre, ils se mettent à plat ventre et ils attaquent. Quand ils sont trop vieux, ils arrêtent.